des élans de divers horizons, Père, tous êtres rassemblés ce soir. Qui l'aurait cru, Seigneur, tu organises ton œuvre comme tu veux. Tu es souverain, tu diriges tes enfants, Père, tous êtres comme tu veux. Nous te bénissons pour cette réunion, Père. Nous t'élevons pour cette réunion. Alléluia. Parce que tu es souverain. Et nous voulons nous soumettre totalement à ta Seigneurie ce soir, Père tout Saint-Éternel. Oh, nous invoquons Yahweh au milieu de nous. Invoquez-moi, il dit, invoquez-moi, invoquez-moi. Est-ce que tu l'invoques maintenant? Parce que là, tu veux baigner dans sa présence là, maintenant, au nom de Jésus. Nous t'invoquons au milieu de nous, Papa. Oui, siège. Siège là ce soir, Père. Oui, siège. Oh, roi de gloire, viens, il vient, il vient, il est là ce soir. Oui, il est là ce soir. Il sera là, il est là, au nom de Jésus. Il a accompagné ses enfants, il a accompagné ses guerriers pour se rassembler ce soir, pour élever leurs voix. Parce que Yahweh manifeste au nom de Jésus. Alléluia, Père. Voici nos cœurs, Père tout Seigneur. Nous sommes là, Père tout Seigneur. Devant toi, Père tout Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Viens sonde nos cœurs ce soir, Équin. Viens sonder nos cœurs ce soir encore, Père tout Seigneur. Dans ton amour, dans ta grâce, dans ta magnificence. Tu es beau, Père tout Seigneur. Tu es beau, Père tout Seigneur. Alléluia. Roi de gloire, magnifique tu es. Merci, Père. Alléluia. Yeah.
parole. Le Seigneur est venu de tous tes péchés. Oh Seigneur, sois béni. Tu bénis son Père, tes noms. Alléluia. Parle-lui maintenant. Parle-lui maintenant au nom de Jésus. Adore-le. Seul lui est la parole. Seul lui est le salut. Seul lui est la vérité. Seul lui est la lumière. Seul lui t'a rattrapé là où tu étais. Quand tu étais rejeté, négligé, quand tu étais abandonné, quand tu étais dans la boue, il est venu avec son œuvre te laver, il t'a ramené à son admirable lumière. C'est pour cela ce soir tu le loueras. Alléluia, tu lui appartiens. Il est ton maître désormais. Alléluia. Oh oui, papa, j'ai dit, Jésus, tu as mes paroles de la vie. Merci Jésus. Merci Père. Te disons merci ce soir pour tout ce qui va se dérouler ici, Seigneur, sois le maître des circonstances. Viens parler, viens agir comme tu le souhaites, Père, être à la gloire de ton nom. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Juste en 2 minutes, 3 minutes d'exhortation. Alléluia. Hier, nous étions avec un petit groupe de frères à la radio à Yopougon où, par la grâce de Dieu, on nous a accordé un temps d'antenne. Pouvoir annoncer l'évangile au travers de la radio. Et la jeune sœur, l'animatrice, m'a posé cette question, mais c'est quoi votre thème? Et j'avais du mal à trouver un thème. Et voilà, je tournais, je lui ai dit simplement, nous allons parler de Yahweh, nous allons parler de son église qu'il a bâtie. Et par là, nous voulons montrer ou de moins exposer l'état, hein, la souffrance du corps de Christ, ce qui se passe dans le corps de Christ. Et nous avons lu un test. Et au travers du test, nous avons vu qu'il y a prophète et prophète. Alléluia. Je prenais l'avion pour venir. Bien avant de prendre l'avion, le songe que j'ai eu concernait le prophète. Et depuis que je suis arrivé, pour ceux qui m'ont entendu écouter, il ne s'agit que de ça. Parce que c'est clair qu'il en manque dans ces pays présentement. Des gens qui ont leur tête mise à prix, qui sont complètement détachés du monde, prêts à défendre l'évangile de leur père, celui-là qui les a appelés. À main, leur tête a pris. Et je vois que on en a très peu ici en ce moment. Vous savez, dans la Bible, Jésus-Christ va dire dans Matthieu 11 là-bas que tous les hommes qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand. On nous a beaucoup expliqué ce qu'il avait dit. Et j'ai pris aussi le temps d'observer ces versets. Et j'ai dit, mais je me suis posé une question. On a entendu parler d'Élie, d'Élisée. La Bible les a mentionnés. On a entendu parler de Daniel. On a entendu parler d'Abraham. On a entendu parler d'Enoch. On a entendu parler de Gédéon. Tous ces grands hommes qui ont fait des exploits. Et voilà, Jésus-Christ nous dit, de tous ceux-là, Jean-Baptiste est le plus grand. Et quand nous observons le ministère de Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Aucun miracle. Cependant, Christ l'a qualifié du plus grand. Alors j'observe de très près, je me dis, alors s'il n'a pas fait de miracle, qu'est-ce qui le concerne pour être aussi grand? Il avait un ministère.
c'était le ministère de la repentance. Et c'est ce message-là qui nous manque grandement dans nos assemblées. Il n'y a pas de repentance au milieu des assemblées. Nous avons une forme de repentance comme Paul l'a qualifié dans 2 Corinthiens là-bas, que c'est une repentance mondaine, selon le monde. Ce n'est pas une repentance divine. Car c'est la repentance divine qui ouvre la porte au salut. Et dans nos assemblées, nous avons plein de cœurs qui n'ont pas connu la vraie repentance. Vous n'avez pas été assez brisé quand le Saint-Esprit vous a montré l'état de votre cœur. Vous n'avez pas été assez brisé. Je vous dis, si vous voyez l'ignominie qui concerne notre vie, des gens qui ont fait des avortements, vous avez carrément arrêté toute une génération. Et avortement sur avortement, ça remonte à quand tu as pleuré tes yeux quand le Seigneur t'a montré tout ça. Nous avons ces espèces de formules stéréotypées dans les assemblées pour répéter après les pasteurs et on appelle ça repentance. Ça ne dit rien au Père parce qu'il voit l'état de ton cœur. Il voit que tu n'es pas profondément touché. Alors que Dieu commence véritablement avec celui qui est complètement brisé. Et vous devez savoir ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Elle est composée, bien entendu, de repentance. Elle est composée du baptême. Elle est composée de recevoir le Saint-Esprit et de la foi. Et je vous dis, ces quatre éléments-là, si nous les décortiquons, nous allons voir ici. Si je pose la question à la fin, vous allez voir que sincèrement, vous n'êtes pas né de nouveau. Donc nous ne sommes pas assis. La fondation n'est pas bien posée. C'est pour cela que nous avalons des colotins sauvages au milieu de ces assemblées. Nous sommes tous malades. Alors, le songe, c'était prophète, prophète, prophète. Il faut quelqu'un pour crier, il faut un chauffard. Il faut quelqu'un pour sonner l'alarme. Il faut quelqu'un pour donner un autre son de cloche. Vous êtes habitué à une trompette et ça ne sonne pas la trompette de Yoshua. Ça sonne comme un chien, ça sonne comme un loup, ça sonne comme je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir avec la trompette de Yoshua. Christ revient bientôt. Et nous devons discerner les différents vents qui soufflent. La Bible nous déclare que le temps viendra, on nous prêchera un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Et nous sommes à plein là-dedans. Alléluia. Frère et soeur, il est temps pour cette belle nation que nous aimons tous. Et je crois que Dieu est toujours prêt. Je l'ai toujours dit depuis le début. Quand Dieu envoie un prophète et qu'il sonne le chauffard et que les enfants de Dieu s'accrochent à cette belle nouvelle, à cette vérité, quel que soit ce qu'il va vous dire, vous êtes concernés. Nous venons tous à la confession, à la repentance véritable. Si Dieu voit nos cœurs, nous sommes prêts totalement à changer, à nous approcher désormais à sa parole. Il envoie un deuxième prophète. Et si vous avez écouté un peu depuis un moment, il y a eu un songe qui a été donné. Quelqu'un a été donné pour sonner le chauffard dans le songe qu'on nous a expliqué. Je vous en prie, ouvrons nos cœurs. Venons à la repentance. Nous avons tous péché. Nous avons contribué à bâtir des assemblées où ne siègent que des nids d'oiseaux. Où nous avons accouché des démons au milieu des assemblées. Et rien ne bouge. Et c'est ce que je vais marteler jusqu'à la fin avant que je ne parte. Je ne changerai pas de message. À tout niveau. Il n'y a pas d'espoir. Pourquoi? Simplement parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Daniel nous l'a dit. Ceux qui connaîtront leur Dieu feront quoi? Nous ne connaissons pas nos dieux. Un autre Dieu, je dirais. Alors nous sommes là ce soir à Vitré. C'est bien, je le disais à l'entrée tout à l'heure. Vous ne voulez pas ces pasteurs qui ont fait les affiches
dans leur belle église, leur bâtiment qu'ils ont construit, venir s'emmerder dans la poussière ici ce soir. Parce qu'eux, ils visent les grandes capitales. Abidjan, c'est New York. New York, Tokyo. Tokyo, Londres. Ils ne pourront pas venir mettre leur pointillini. Vous savez, les chaussures, là, vous connaissez les noms. Non, ça ne va pas se salir ici. Ah non. Il y a des armes partout, dans ce coin régulé. Jamais ça n'a été leur repère. Le prophète est solitaire, il bat partout. Et ce soir, venant de mille lieux, nous sommes là avec vous. Alléluia. Et nous ne sommes pas là pour jouer, nous ne sommes pas là pour vous raconter nos vies, nous ne sommes pas là pour dire que oui, nous avons percé parce que nous sommes en Europe. Non, nous sommes là parce que cette nation nous concerne toutes. Nous sommes là parce que nous voulons que Jésus-Christ revienne habiter encore au milieu des assemblées en Côte d'Ivoire. Nous sommes là parce que nous voulons voir la Côte d'Ivoire de nouveau réveillée en ébullition pour Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous concerne. Et la seule personne au milieu de nous, il n'y a que Christ. Nous diminuons. Et lui seul doit croître ce soir. Car Christ, rien que Jésus. Alléluia. Amen. Donc là, je ne vais pas ouvrir la Bible. Là. C'est juste préparer les cœurs. Et c'est vraiment... C'est l'état des assemblées, c'est triste. Même en prison, nous sommes venus là de la prison aujourd'hui. Le Seigneur a puissamment utilisé notre frère en prison. Et même là-bas encore, sortent des frères, des loups qui ont le toupet de défendre au milieu des détenus. Je me demande d'où ils prennent cette force-là pour venir s'imposer au milieu des gens qui souffrent pour récolter la dîme en pleine prison. Imaginez-vous. Mais où est le cœur de Dieu? Dieu pleure. Il pleure. Ces gens qui sont complètement perdus. Je veux dire, pas perdus pour l'enfer, mais je veux dire, les situations, ce qu'ils traversent, nous devons avoir de la pitié pour eux. Mais là-dedans, là, les loups ravisseurs arrivent, ils demandent toujours la dîme et ils ont la force de dire toujours là-bas au milieu de ses frères et sœurs, si tu ne donnes pas, Dieu ne va pas te bénir. En gros, tu ne sortiras pas d'ici. Vous voyez, hein? Et s'il n'y a pas de prophète pour se lever, pour donner la vérité aux enfants de Dieu, pour mettre sa tête à prix, nous allons continuer à voir, à vivre ces choses-là et Dieu n'est pas là. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais à vous dire à l'ouverture ce soir. Alors, si déjà là au début nous sentons concernés, nous allons nous élever. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier, crier à Dieu sous ce ciel de vitré. Il est omniscient, omniprésent. Et nous croyons que ce soir, là où les cœurs sont disposés, là où les enfants de Dieu le cherchent correctement, honnêtement, Dieu vit. Il vit là. Alléluia. C'est lui qui marche au milieu de son assemblée, qui sonde nos cœurs, qui voit véritablement qui nous sommes. Alléluia. Nous allons l'invoquer ce soir. Oh Jésus. Levons-nous pour prier, s'il vous plaît.